Ah! Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the brain. But this time I won't collide like I did yesterday. Bah ouais, et vous? For you, even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing. Don't test.
lost my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing. It cannot wait, cause you test my patience. I try to pray for you. For you. For you. I try to pray for you. To pay for you.
Ah. Allô? Et je suis là, hein. Je vous jure que je suis là. Allô? Bonsoir. On m'entend? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bienvenue sur ce stream. Bienvenue à toi qui regarde ce stream. Bienvenue à toi qui regarde cette VOD. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Nous sommes mercredi 8 février 2023. Et le 8 février dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est la Saint-Jacqueline. Donc saucisse, bien sûr, à toutes les Jacquelines. Saucisse! Bien évidemment. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons jouer à This War of Mine. Oui, parce que tout le monde joue à Hogwarts Legacy. Bien sûr, parce que c'est le jeu du moment, parce qu'il sort et parce qu'il est trop bien. Mais moi, non. Pourquoi? Parce que ma bécane ne me le permet pas. Mon fidèle destrier, donc, il est très bien, mais en live, c'est un jeu auquel je ne peux pas jouer, malheureusement, et c'est pas grave. Plus tard, peut-être, on aimerait beaucoup pouvoir utiliser ce PC et un deuxième PC qu'on aura payé et qu'on se sera acheté, qu'on se sera offert grâce à... oui, Poco. Grâce à vos dons, tout simplement. Grâce à vos dons généreux. Encore merci d'ailleurs. Donc ça, ce sera pour plus tard. Voilà, ce ne sera pas maintenant, malheureusement. Mais si vous voulez voir un let's play de qualité concernant Hogwarts Legacy, je vous invite demain soir à aller faire un tour sur le live de BBPixel, bien évidemment, qui live... elle, quant à elle, du Hogwarts Legacy. Donc elle va être à fond dessus. Donc voilà. Allez-y, allez faire un tour, je vous en prie. Allez-y. Ce soir, on va faire This War of Mine. Avant, j'aimerais juste envoyer plein d'amour, énormément d'amour et de force aux gens, les victimes des tremblements de terre qu'il y a eu récemment en Syrie, en Turquie. Voilà. Juste, j'envoie plein d'amour à ce peuple qui vit des moments très durs avec un tremblement de magnitude 7.8 sur l'échelle de Richter. L'échelle de Richter, c'est 10 maximum, hein. C'est énorme. Et le bilan a dépassé les 5000 morts et il ne fait qu'augmenter chaque jour au fur et à mesure que les décombres sont enlevés. Donc voilà, force bien sûr. Je pense que je vais enlever les petits dinos là. Là, il y a les petits dinos qui se baladent. Je vais les enlever pour le live de This War of Mine parce que un peu gourmand, j'ai eu l'impression pendant les tests. Avant ça, qu'est-ce que c'est This War of Mine? This War of Mine, c'est un jeu de survie en temps de guerre développé par 11bit Studios. Il s'est inspiré du siège de Sarajevo. Voilà, pour ceux qui se demandent. Ce jeu diffère de la plupart des jeux de guerre en se concentrant sur l'expérience des civils en temps de guerre. Et oui, on fait pas partie de... On n'est pas au sein de la guerre au front, on va dire, mais on est plus du côté des civils, même carrément du côté des civils, plutôt que sur le combat, du coup, en première ligne. This War of Mine est sorti le 14 novembre 2014, 14-14, sur Microsoft, tout ça, et il remporte des trucs de fou. Voilà. Il a remporté l'Audience Award lors du Independent Games Festival en 2015. L'histoire se déroule pendant le siège d'une ville fictive nommée Pogoren. Ce siège oppose des unités rebelles retranchées dans la ville et l'armée nationale qui tente par tous les moyens de reprendre la ville. Le joueur dirige des civils bloqués dans la ville en tentant de survivre. Voilà. Petite intro au jeu comme ça, histoire d'en apprendre un petit peu plus
Bonne fête encore à toutes les Jacqueline. La bise. Donc ce soir, c'est le meilleur live pour faire un jeu qui n'est plus regardé. Alors déjà, j'ai un jeu qui n'est pas regardé. Ensuite, il y a match, je crois. Il y a un match de foot. Alors bon, moi, je suis pas foot, mais bon, ça fait une audience en moins. Et en plus de ça, les gens sont tous sur Hogwarts Legacy ou des streamers qui font du Hogwarts Legacy. Peut-être que des gens en auront marre, comme m'a dit Bepixel, de voir du Hogwarts Legacy. Ils vont venir me voir, moi. On verra. On verra. J'éteins la musique, bien évidemment. Hop, je la réserve pour tout à l'heure. Tac, tac. Hop là. Et je démarre le jeu. Je vais juste déconnecter les petits dinos. Histoire que le jeu que mon PC se concentre un maximum sur le jeu. Alors, j'ai regardé les graphismes. Il y avait élevé et faible, c'est tout. Au niveau des graphismes, pour pouvoir gérer les graphismes, il y avait juste élevé ou faible. Il n'y avait rien d'autre. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et... Il y a mon portable. Yeah. Et j'étais pas en live. Donc le processeur était pas occupé à encoder. On va voir ce que ça donne. Ah, je vous ai pas lu la petite phrase. Mon dino rose méchant. Allez, désolé. Désolé. Bienvenue. Bienvenue, mon petit Gia, ça va ? Donc. Alors, attendez. Je vais se faire un truc tout de suite. Alors, par contre. Ah, attendez. C'est fou, hein. Mais. Heureusement que je teste avant. Hein. C'est plein écran. Non. Tac. Je vais essayer des trucs. Le petit loup, comme d'habitude. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es petit loup. C'est vrai que petit loup, ça te va bien quand même. Hop. Est-ce que là, on voit ? Est-ce qu'on voit là ? Ok, bon, il y a la barre au-dessus. On va l'enlever. Plein écran, ouais, s'il vous plaît, ouais. Voilà. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera pas mal au niveau du... Au niveau de la qualité, j'espère que ça sera pas trop dégueu. J'espère que ça va pas trop freeze. Bienvenue à toi, mon petit loup. J'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Et voilà. Oula. Bon, si vous en avez marre de voir du Hogwarts Legacy et que vous regardez pas le match de foot ce soir, et ben c'est ici qu'il faut venir. Hein. Let's go. Alors, on va pas continuer une aventure, on va en faire une nouvelle. Ça, c'est continuer. C'est une que j'ai fait il y a longtemps et j'avais pas beaucoup avancé. Et c'était ouais. Voilà. Donc, ouais. Nouvelle tentative. Recommencer le scénario ou lancer une nouvelle partie. Dans un endroit différent avec d'autres personnages. Let's go. Quoi ? Verrouiller, quoi ? Verrouiller, quoi ? Comment ça ? Katia, Bruno, Pavel ? C'est les noms des gens ? Pavel, Bruno, Marco ? Ça, c'est une DLC. Ok, c'est des DLC. Et ça, c'est quoi, ça ? Final Cut, c'est quoi ? Zlata, Livia et Marco. Votre progression sera perdue, continuez. Je n'ai aucune idée. Qu'il faut prendre. Aléatoire ? Marco Polo ? On a un Marco là, on a un Marco là. Pavel. Pavel Bruno. Zlata Divia Marco. Allez, on va partir là-dessus. Je sais pas ce que c'est, la Final Cut. Final Cut, c'est un DLC ou un truc qui est sorti à un moment. On va regarder ce que c'est. Progression, oui. Let's go. Pardon ? Il est là ? Par là. Attendez. Des pixels qui me demandent le casque.
Et Outcast. Ah, c'est pas en français. Comment ça? Comment ça, c'est pas en français? Remonte le moral. Tac. Enceinte. What? Attendez. Attendez. Y'a pas une phase de tuto ou un truc? Coucou mes pixels. Les petits loups. Les loups qui dit coucou. Appuyez pour démarrer. Oui. Nouvelle tentative. Voilà. On va prendre Katia, Bruno et Pavle, ok? Il y a zéro phase de tuto, vraiment, c'est en mode... C'est en mode tu te démerdes. Jour 1. Bon, ça a pas l'air de trop freeze. Ça a l'air d'être assez fluide. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est ici qu'on va... Ok. C'est ici qu'on va opérer, c'est ici qu'on va tenter de survivre. Ah, oh, y'a un gars là, mais c'est qui? C'est qui le gars là? On n'est pas censé être trois? C'est le troisième ça? Peut-être. C'est Pavle? Ah! Lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'elle ne durerait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée en ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia a rencontré Pavle et Bruno avant la guerre. Elle était journaliste, et Bruno animait sa propre émission télévisée de cuisine. C'est lui Bruno, c'est lui, 100%. Pavle était la star d'une équipe de football locale, bah oui, il a une gueule de footballeur lui. Et elle l'avait interviewé une fois. Ok. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes, à la recherche de nourriture et d'un refuge. Dis à Baby Pixel qu'elle regarde ma photo de Twitch. Il faut que vous regardiez la photo de Twitch de XGAX. Twitch. Voilà. Et... Message passé XJAX. IXGIIAX. C'est quoi, c'est quoi? Ah, je peux pas voir. Je peux pas voir, je suis dans le jeu. Donc, ok. Voyons s'il reste quoi que ce soit d'utile ici. Ok, let's go. Some part of a radio station are still there here. Putain, des fois c'est en français, des fois c'est en anglais. Là, va fouiller là-bas. Donc, on a plusieurs persos. Katia, elle fouille. Ok. Tout prendre. J'imagine. C'est quoi ça? Outil de crochetage. Il a usage unique. Mais il crochette les serrures rapidement et sans bruit. Ok. Là. Donc là, ok. On peut se déplacer comme ça. Ok, d'accord. Eh, c'est grand ça là. C'est très grand. Je sais pas ce que c'est. Mais je prends tout. Ok. C'est quoi ça? Herbe. Diverses herbes permettant de confectionner des médicaments à base de plantes et des cigarettes roulées. D'accord. Et on a des... Genre Katia, elle peut faire ce qu'elle veut. Ah, Baby Pixel a découvert son Stitch en photo de profil de petit loup. Elle est contente. Ok, bon bah continue hein. Mais du coup, on peut les faire travailler aussi. Ouais, voilà. Allez, travaillez, travaillez les gars, travaillez. Ok. Bah toi, tu prends tout. Pour le moment, on va tout prendre. Hein. Pour le moment, on va tout prendre. On va se faire un stock, on va voir comment ça se passe. Hein. Et toi, là. Ok, tu vas mettre 15 ans, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, tout. Bon, pour le moment, on déblaye, hein. On déblaye, on va essayer de se faire un... Je crois qu'il faut qu'on se fasse un... Un comment...
Un endroit où dormir, un endroit où... Ok, donc ça c'est à déblayer. Faut qu'on déblaye tout ça pour pouvoir passer en fait. Là la porte elle est cassée. Toi t'es encore là-dessus. Ah mais toi tu peux pas... Ok, tu peux l'aider? Ah tu peux pas aider. Ah c'est dommage qu'il puisse pas se mettre à deux dessus. Ok. Oh! La magie! Bientôt mon dino. La magie! Merci BPixel! Oui, effectivement, bientôt mon dino. BPixel qui a l'honneur d'annoncer son 8e mois de couvaison. Et qui officiellement, son œuf éclorera le mois prochain. Si bien évidemment, elle se réabonne, hein. Bon. Merci beaucoup, BPixel. Et puis celle qui claque son prime. Ok, de l'eau, on a plein de choses. Ça marche. Là, ça, tu peux ouvrir. Oui, ok, donc fouille ça. Toi, Gérard, t'as fini, là? Oui, il a fini. Toi, tu prends tout. Tac. Gérard, tu vas là-haut. José, voilà. Je suis fatigué. Non, flatté, pardon. J'ai compris, je suis fatigué. J'ai lu, je suis fatigué. Fatigué ? Pourquoi est fatigué, la dame ? Ok. Ensuite, comment on fait pour aller là ? Faut traverser ça, là ? On va se casser la gueule, 100%. On a de la chance qu'il ne se fasse pas froid ici. C'est vrai, c'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Des planches mal fixées, je pourrais les retirer facilement. Eh ben, vas-y. Donc là, tu peux venir ici? Ok. Allez, on peut en cliquant deux fois, il court? Ok. Est-ce que c'est intelligent de les faire courir? Je sais pas si ça fait quelque chose. Comment on fait pour aller là-bas? Ici, là. Ça, c'est pour craft des trucs. Là, tu peux aller là? Ok. Vas-y. Te blesse pas, hein. Te blesse pas, Katia, s'il te plaît. Ton jeu me fait penser à Fallout. Oui. Pardon? Oui, c'est vrai que t'as deux écrans. BPixel a fait évoluer son setup, il est magnifique. Je suis jaloux. Ah, comment tu fais pour remonter? Il y a une échelle peut-être. Oui, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à Fallout. Alors après, attention, hein, c'est pas un... Ah mais en fait, tu t'es assis, d'accord. C'est pas un jeu post-apocalyptique, c'est un jeu qui se passe pendant une guerre, du coup. Survie pendant une guerre, plutôt bien en vrai le scénar, c'est cool. Comment on fait pour aller là? Faut qu'on descende là, ok. Ok. Toi, c'est bon? Oui, j'arrive. Donc là je suis en train de prendre un maximum de ressources. Hein. Voilà. Toi Katia, tu t'en sors. Donc on a des planches de bois, on a plein de choses. On a plein de trucs, tout doucement. Doucement mais sûrement, on est en train de fouiller les lieux. De déblayer. Vas-y, fouille-moi ça. Faudra qu'on fasse des livres, faudra qu'on fasse des trucs. Alors je me souviens plus exactement... parce que je sais qu'il va y avoir des événements. Va y avoir des trucs qui vont se passer. Il va falloir les gérer. Là par exemple il reste plus beaucoup. Ah ouais d'accord, ok, il y avait du temps. Donc là ils sont en train de déblayer. Viens là. Au moins il fait chaud, c'est vrai. Allez. La nuit. Ah!
Planifier la nuit. Comment ça? Ok, donc Pavel, c'est un bon coureur. Et il est légèrement malade. Ah! Katia, compétence de marchandage. Ok. Bruno, bon cuisinier. Ok. Et il a 10 de transport. 12 pour Pavel et Katia, 12. Donc c'est la nuit qu'on collecte. Maison calme. Il est en ruine. Mais nous, on est où là? On est là. Cottage abandonné. Beaucoup de nourriture. Une famille s'est barricadée dans cette maison. Mais les pierres ont réussi à entrer malgré leur effort. Elle est restée abandonnée depuis. Nous y trouverons peut-être quelque chose que les pilleurs ont oublié ou laissé derrière eux. On essaye de se faire une sortie? Collecteur. Pourquoi il y a marqué collecteur? Ah ok. On peut prendre plusieurs collecteurs? Non, il n'y en a qu'un. Les autres ils font dodo. Bah vous savez quoi, vous là, Pavel il va rester, il est un peu malade. Bruno, bon cuisinier. Ou Katia? Faut qu'il y en ait un qui monte la garde. Hein. On va faire comme ça. On va voir, on teste de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Prends des crochetages, là, les trucs de crochetage. Autre, qu'est-ce que c'est ça? Bijou, un objet précieux pour le troc, ok. Bon, après tout ça, on s'en fout. On n'a pas besoin de ressources en vrai. Il nous faut un maximum de place dans le sac pour récupérer des trucs. Allez, on essaye. On tente. Il y a du temps? Ouais, il va y avoir du temps. Alors, sac à dos, courir vers la sortie, partir collecter, point. Les pilleurs sont certainement partis à la hâte. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a encore beaucoup de choses ici. Bon, faut qu'on choisisse judicieusement. Bon, pour le moment, on prend un max et on verra. Ok, bon, faut qu'on fasse doucement. Je vais casser ce jouet connu et des jours meilleurs. Ok. Douille d'armes à feu. C'est quoi ça? Poudre à canon. Je veux pas ça, moi. Regarde dedans. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Cette porte est barricadée, d'accord. On peut passer par là, non? Il y a des bruits d'ambiance qui sont plutôt intéressants. Hein. Je sais pas si vous captez tout chez vous. J'espère que vous entendez bien le son du jeu et le son de ma voix. Du coup, on a un max de choses, mais ouais. C'est quoi ça? Divers composants permettant de faire à peu près tout. Des clous, du ruban adhésif. Pareil, d'autres choses du même genre, ok. Pièces. Diverses pièces mécaniques permettent de créer et de réparer des appareils complexes. Bon, pour le moment, on prend pas ça. On prend du bois. Composants essentiels pour fabriquer un tas de choses. Pour utiliser de combustible, poêle, ok d'accord. Bon, le bois c'est intéressant à récupérer en vrai. Ah, il y a du bruit là. Ça c'est du bruit ça. Il y avait un rat tout à l'heure. On va fouiller un peu. On va regarder s'il y a un truc intéressant, peut-être précieux à récupérer. Parce que des fois il y a des gens qui viennent faire du marchandage à la maison. C'est quoi ça? Un bon livre est toujours réconfortant. Plus vous en avez, mieux c'est. Si les temps sont durs, nous pouvons nous en servir comme combustible. Ok. Pièces d'armes. Diverses pièces d'armes, des lames, des barillets, des ressorts, des percuteurs et ainsi de suite. Tabac, cigarettes roulées, cigarettes de qualité fertilisant. Je vais enlever ça. Je vais prendre des livres. Bon, j'espère que c'est bien le rat de tout à l'heure. Hein. Hello there.
Ouais, c'est Laura de tout à l'heure. Salut Clem! Coucou mon Clem, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Bon, ça va, malgré Hogwarts Legacy, où il y a 99% des streamers qui streament du Hogwarts Legacy, vous êtes quand même là. Donc bienvenue. Matériaux, sucre. Du sucre. Pour faire de l'alcool de contrebande sans sucre. Quoi? Il est impossible, ok. Il est indispensable au processus de fermentation. De l'eau. Oh, de l'eau. L'eau. Non, l'eau. L'eau, c'est le plus important à récupérer. C'est quoi ça? Une photo de famille, avec les parents et les deux filles. Heureusement que les filles ne ressemblent pas à leur père, on dirait un ours. Zut. Moi, nickel. Ah, si tu vas bien, mon Clem, c'est parfait. Il y a des sons d'ambiance qui sont intéressants. Alors du coup, normalement, vous voyez bien le jeu. C'est parfait. Ok. J'espère qu'il n'y a personne à l'étage. Une note sur laquelle est écrit: le premier jour, ils ont cambriolé la maison. Deux jours plus tard, ils ont tué nos filles. Mais non! C'est le 9e mois de la Certus! La Certus. Akira Rage. Akira Rage. La Certus. Bienvenue. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Alors, je t'annonce officiellement. Merci. Déjà, merci. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Félicitations. Grâce à ce 9e mois d'abonnement sur la chaîne Akira Cham, ton œuf a enfin éclos. Et ton œuf ayant éclos, nous allons déterminer avec un D20 quel dinosaure en sort. Et c'est ce dinosaure qui te suivra dans toute ton aventure sur la chaîne. Alors attends. Merde, plus d'omelette. C'est vrai. On pourra faire d'autres œufs, putain. Alors je finis juste de lire ça. C'est pas bien long. Et après on tire le bébé dinosaure que tu as eu. Oula, très bizarre ce que je viens de dire. Alors, une note sur laquelle est écrit: le premier jour, ils ont cambriolé la maison. Deux jours plus tard, ils ont tué nos filles. J'ai tiré sur chacun d'entre eux. Je ne veux plus utiliser le fusil. Il est cassé et enterré dans le jardin. La suite a été écrite d'une main tremblante. Si vous lisez ceci, inutile de chercher après moi. Ah, oula. À tous les coups, il est là-bas. À tous les coups, il est là-dedans. Ok, bon, on voit rien. Ah, on est à la demi-heure. On finit la nuit. On finit la nuit, là. On finit de voir un peu ce qu'il y a ici. Et après, on va... Après, on détermine quel dinosaure tu as eu, mon petit Lacertus. Et encore merci. Merci beaucoup pour tes 9 mois d'abonnement. Merci pour le soutien que vous apportez au quotidien sur la chaîne. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Du bois, du tout, 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 tout. Ok. Donc, là, on est bon. Il a dit, le gars, qu'il y avait un... Qu'il y avait dans le jardin... Bon là on fait du bruit, c'est pas grave. Et là imagine il tombe sur 7. Alors le jardin c'est là ou c'est de l'autre côté? Ça va prendre 15 ans ça. Ces deux emotes ensemble là, elles sont pas belles. Elles sont magnifiques. Alors si tu veux un bon steak, ouais, effectivement Clémentis. Habituellement je dis Clémentis pour rigoler, mais c'est sorti tout seul. Si tu veux un bon steak, il va falloir attendre qu'il grandisse. Hein. Donc, en attendant que Bruno, il creuse. En attendant qu'il creuse, je vais voir sur le internet qu'est-ce qu'on a comme dinosaure. Donc, pour avoir un magnifique dinosaure, il suffit d'être abonné 9 mois sur la chaîne.
bien évidemment. Et... attendez, je cherche. Et... nous allons déterminer quel dinosaure tu as eu en tirant un des 20. Donc tu as la possibilité d'avoir un dinosaure sur 20. Donc, une vraie chance. Donc du premier au 20, nous avons le Triceratops, l'Oviraptor, le Dilophosaurus, l'Allosaurus, le Brachiosaurus, Ceratosaurus, Tyrannosaurus Rex, 7, Parasaurolophus, Archaeopteryx, Pachycephalosaurus, Diplodocus, Utahraptor, Microceratus, Velociraptor, Compsognathus, Ankylosaurus, Sinoceratops, Carnotaurus, Cryolophosaurus et Spinosaurus. Alors, si les noms vous disent rien, c'est pas grave. C'est pas grave. À qui il est là pour vous guider. Et on vous montrera ce que c'est une fois qu'il sera tiré. Donc, il n'y a rien dans le jardin. On va juste aller là. Parce que le gars, il a dit que dans le jardin, potentiellement, il y avait enterré. Ah, il nous faut peut-être une charle. Une pelle. Une pelle. C'est bientôt la fin de la nuit. Il y a un truc ici. C'est quoi? Ça, c'est le fameux jouet. Ah! Pistolet endommagé. Let's go. On le prend. On va enlever du bois et on va prendre ça là. C'est des pièces pour réparer des trucs. Et on est bon. On s'en va. Bruno est de retour. On va mettre sur pause. Et on va lancer le dé. Bonjour, regardez un peu tout ça. J'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. C'est vrai. Bam. Allez, Bruno, elle a ramené tout ça. Boum. Pause. Paramètres. Plein écran. Non. Pour que je puisse quitter. Voilà. Je me mets en just chatting. Ça ramouille un peu. C'est pas grave. Donc. Il n'y a plus son du jeu. Il n'y a plus rien. le dé. J'avais fait un dé à une époque. Non, il est pas là. On va aller chercher ça sur le internet. Hop, hop. Roll a dice. Tchouk. On va utiliser, bien évidemment, un des 20. Je vais mettre en place. MDR, il y a BB Pixel derrière. Bisous, Frangine, coucou. Et là. Qui c'est qui quoi? Merci Lacertus pour tes 5 beats. Ça fait beaucoup de beats, tout ça. Merci énormément. Donc, regardez. Tous les dinos sont là. Nous avons déjà Askemar qui a un Triceratops. Merci encore pour tes 5 beats. Merci beaucoup mon Lacer. Nous avons Clementis31 qui a un Ceratosaurus. Nous avons Dr. Drake qui a un Utahraptor. Et nous avons Batseed qui a un Parasaurolophus. Nous allons rajouter Lacertus. Lacertus Alveris, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On met le nom. On met le nom complet. On met le nom complet. Et Lacertus, quand tu diras la phrase. J'aime la galette, c'est mon dessert favori. On lancera le D20. Le D20 qui est là, qui est déjà calé sur 20. Je vais cliquer sur Roll. Et ça déterminera. Alors déjà, est-ce que t'as un guess? Est-ce que t'as un guess? Pardon, on va lancer juste après. Mais... est-ce qu'il y en a un que tu préférerais? Déjà. Alors désolé, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. C'est le live... live du silence.
Satus, il était en train d'écrire la phrase. Pas spécialement. Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Donc, quand il y aura la phrase magique, bien évidemment, on lancera. Pas avant. Attention. Galetis Frangipanus Rex est prêt. C'est pas la phrase. C'est pas... C'est bien, mais... C'est pas la phrase. En attendant que la phrase soit écrite, bien évidemment. Ok, bon, c'est bon, je lance. Alors, let's go! C'est parti! Dommage que mon dino ne soit pas un spino, vu que c'est mon avatar, c'est vrai. Viens par ici. Non, let's go, c'est parti, allez, on roll! 20! Je suis désolé, mon Clem. Je suis désolé, mon Clem. Lacertus. Alvarez. A.K.A. Galetis Frangipanus Rex. Je vous annonce officiellement que vous êtes l'heureux détenteur d'un Spinosaurus aegypticus. Félicitations. À quoi ressemble un Spinosaurus aegypticus ? Pour ceux qui se demandent. Petit Spinosaurus aegypticus qu'on a là, hein. Qu'on a là, hein. C'est un de mes favoris. C'est un de mes favorax, bien évidemment. Il est là. Oup. Spinosaurus aegypticus, dinosaure de type hybride, dans le sens où il est terrestre et marin, se nourrissant principalement de poissons, donc piscivore. C'est un dinosaure magnifique qui évolue tout le temps au... Enfin, les découvertes évoluent au fur et à mesure des années. Il y a quelques années de ça, il ressemblait potentiellement à ça. Et maintenant, ce qu'on en voit, c'est plus un truc de ce style. Voilà, donc il est magnifique, c'est un dinosaure que j'apprécie beaucoup. Et un bébé, donc toi potentiellement, t'as eu eh ben, un petit comme ça. Voilà, félicitations. Voilà l'œuf une fois éclos. Voilà à quoi il ressemble. Donc félicitations et merci encore pour ton 9e mois d'abonnement. Vous régalez. Vous êtes... Qu'il est mignon. Mais oui, il est super mignon. C'est mon 2e dino préféré. Quel est ton premier dino préféré, mon Clem ? Dis-le. Ose le dire. Hop ! Plein écran. On. Let's go. Donc, félicitations pour ton nouveau-né. Reprendre. Donc, il faut qu'on se concentre. Il faut qu'on optimise le temps, parce que... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Quitter ? Non, 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 je veux pas quitter. A besoin de repos. Va te reposer. Comment on fait pour se reposer ? Merci pour tes 5 beats ! Merci beaucoup ! Le T-Rex, évidemment. Moi, tu me connais, les carnivores. Effectivement, les carnivores. On peut pas se reposer. Si tu t'assois là, va t'asseoir. Merci pour tes 1 bits. A besoin de repos. Ah oui, c'est vrai qu'elle aussi, elle était en... Ah. Et légèrement malade, a faim. A mal dormi. Ah, faudrait peut-être qu'on fasse des trucs. J'aurais dû dormir la nuit dernière. C'est vrai. Je me sens pas très bien, j'ai l'impression d'avoir des frissons. Oh putain, il est en train de tomber malade. Toi aussi, tu dois avoir faim. Ouais, voilà. Merci pour tes 4 beats. Merci pour tes 7 beats. Merci, mais qu'est-ce qui se passe, dis donc? Que me vaut ce... Pourquoi? Merci beaucoup. A faim, a toujours faim. Hein. Alors, attends. Objet. Ah, objet ménager. Lit. Fabriquer.
Là-haut. On va mettre là-haut, là. On va faire les chambres ici, là. On peut le bouger ? Ah non, c'est vraiment un truc, une chambre, quoi. Ok, oula. Il est parti comme une fusée. Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Merci. Merci en tout cas. Merci pour le soutien. Allez, vas-y. Va faire du construisage, toi aussi. Va faire des lits, là. Toi, tu veux pas faire à manger ? Bruno, là. Bruno, le cuistot. Ce serait bien qu'il fasse à manger, en vrai. Donc, merci, quand même. Merci énormément. Merci du soutien. Que ce soit par les bits, par les abonnements, par votre présence sur le live, par le partage que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Donc, un lit sera fabriqué, d'accord, une chaise. Il vaut mieux s'asseoir sur des chaises que sur le sol. Nous devrions en fabriquer. Nanana. Agréable. Cela nous aiderait à nous sentir mieux en temps difficile. Chauffage simple. Radio. Pouvoir suivre l'actualité et écouter si Metabaza va faire touche. Donc ça, on peut pas faire ça. On a 2 sur 3, c'est ça, hein. 8 sur 8. Ah non, il nous en faut. Il nous en faut 2, on en a 3. Ça, il nous en faut 7 et on en a 4. Ok, donc on peut faire en théorie. On peut faire un truc. Atelier. Poil rudimentaire. Bon, j'ai encore du boulot. Je repasse une prochaine fois. Ça marche. Des bisous, mon lacère. Le meilleur à toi également, mon lacère. Plein de gros bisous. Porte-toi bien. Et bon boulot. Bon boulot à toi. Ton passage. Merci du poisson passage. Distillateur. Atelier de métallurgie. Récupérateur d'eau de pluie. Poêle. Faut qu'on fasse à manger. Fabriquer. On va faire le manger là. Dans la cuisine. Passer. Merci pour tes 2 beats. Merci énormément. Ok, donc il y en a un qui... Les deux construisent un lit. Lui, le lit, il est bon, là. Il est fait. Mon sac est fait. Il est légèrement malade. En voie de rétablissement. Ok, donc repose-toi. Repose-toi. Il a mal dormi, Pavel. On va le laisser se reposer, tranquille. Katia, une fois que le lit est fait, pareil, tu vas te reposer. Bruno, ça, c'est fait. Donc moi, j'aimerais bien faire à manger. Consommables. Donc là, il nous faut des consommables. Nourriture cuisinée. C'est quoi ça ? C'est quoi la différence entre les deux ? C'est juste que t'en fais 2, c'est ça ? Ok. Il faut des légumes, de toute façon. Donc là, il nous faut... Moi, je dis... Tac, fabriquer, voilà. Ok, Katia, repose-toi, vas-y. Ok, encore un. Ah, si on peut faire à manger. Ok, donc là tu peux faire des soupes. Tu peux en faire combien ? 3 ? Bah let's go. Oh, j'avais pas fait gaffe. Les trucs qui clignent des yeux là. Le monsieur, il a cligné des yeux. Je pensais que c'était des photos. Ok. Donc là, tu peux en manger une, c'est ça? Où sont mes cigarettes? Putain, mais il fume en plus, lui. Ok, a besoin de repos. On va se faire un lit. On va se faire un lit aussi. On peut pas. Ok, on n'a pas assez de bois. Zut. Est-ce que... Là, j'ai vu qu'il y avait ça. Ouais. Désolé, Bruno, mais... Tu te reposeras cette nuit. Hein. Navré. Hein. Là, j'ai vu qu'en vrai, il y avait ça, là. Faut qu'on continue de le déblayer. Derrière, il y a des trucs. Il doit y avoir du bois. Il doit y avoir des trucs derrière. Si seulement j'avais une sorte de pelle. Ouais, oui. C'est vrai que ce serait plus utile. Nos affaires. Ok, bon. On va s'en sortir. On va y arriver.
pour qu'on survive un maximum. Il fait 16 degrés. Ça marche. 16 degrés Celsius. On peut changer. On peut changer la température en Fahrenheit ou en Celsius. C'est bien ça. Allez, mon grand. Déblaye-moi tout ça avant la tombée de la nuit. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du bois, vas-y, balance-moi du bois. Let's go. C'est quoi ça? C'est verrouillé, qu'est-ce que c'est? Et tu peux pas... C'est verrouillé, mais mes outils devraient faire l'affaire. Cette porte est verrouillée. C'est verrouillé. Je pourrais forcer la serrure si j'avais des outils. On a pas des trucs pour ouvrir? Ils sont où? C'est où nos trucs pour ouvrir là? Nos petits crochets là? On en avait deux. Ah putain, je les ai utilisés quand je suis sorti. Merde. Non, attendez, il faut qu'on fasse un lit. Oh, Katia. Ça va, Katia? T'as dormi? T'as toujours faim? Vas-y, va manger ta soupe. Va manger ta soupe journalière. Putain, il nous manque... Pardon. Il nous en manque deux. Il nous manque deux foutus bouts de bois. Ça suffira pour le moment. C'est bon, t'as bien mangé? Allez, let's go. Viens là. J'ai besoin de toi, Katia. Tout prendre. Bam. Là, il y avait un truc là. Non, ça c'est la chaise. Le temps. Le temps nous est compté. Ah. Ah. Il y a plus rien. On a tout dévalisé. C'est quoi ça? C'est les médicaments? Non. Si. Il est légèrement malade. Viens là. On va pas avoir le temps. Allez, dépêche-toi. Amélioration. Il nous faut du bois. Il permet la création d'objets, d'appareils, plus sophistiqués. Nous offrons ainsi de nouveaux moyens d'obtenir de la nourriture, des médicaments et d'échanger des marchandises. Ok. Donc il y a des raisons quand même de faire évoluer le truc. Ah zut, on n'a pas réussi avant la nuit. Donc toi, tu vas dodo. Tu vas dormir dans un lit. Katia, on va partir collecter. Pavel, il a toujours faim, il est légèrement malade. Il va dormir dans un lit aussi. Il peut prendre des médicaments? On peut pas. Hein. Tu vas dormir dans un lit, ok? Nouveau, école bombardée. Villa en ruine. Alors ça, on a visité. En vrai, il y a des ressources qu'on veut encore. Hein. Let's go. On va partir là-bas. J'ai besoin de rien. On va partir collecter comme ça. Pas besoin d'outils de crochetage ou quoi. On a déjà ouvert toutes les portes. Et on va la dévaliser. Hein. On va quand même faire gaffe parce que si jamais il y a des gens qui sont venus, je sais pas si c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent entre temps. On va quand même y aller doucement. Allô? Il y a toujours le rat là. Ok. Ok. On prend tout pour le moment. Et on verra. On verra par la suite. On verra par la suite s'il faut trier. Là, ce qu'on veut, c'est du bois, c'est blinde de choses, des matériaux. Tac. Ça, c'est de la poudre à canon. C'est pour faire des armes, c'est pour faire... En vrai, ça, je vais les laisser. La poudre à canon aussi. On verra après. On verra plus tard. Qu'est-ce que c'est ça? Tac, tac, tac. Là, il y a quoi?
Cigarette roulée. Une cigarette roulée faite à base d'herbe. La fumée acre et amère en peste. Roulée de qualité. Une roulée composée de parts égales de tabac et d'herbe. Plutôt bonne, étant donné les circonstances. Cette arme. Tac. C'est du tabac, c'est ça? Je vais prendre ça pour Bruno. Bruno, il avait l'air de vouloir une cigarette ou un truc. Voir. Alors si ça... Ça peut remonter le moral aussi, ça peut être cool. Là. Faut qu'on essaye de choper un maximum de ressources. Voilà. On est blindé. Sauf si j'enlève ça. Et que je prends ça. Allez, let's go. On s'en va. On s'en va, on verra pour faire à manger avec Bruno. De toute façon, les deux normalement sont en train de se reposer. J'espère qu'il ne s'est rien passé pendant la nuit. Katia est de retour. Jour 3. J'ai trouvé plein de trucs vraiment chouettes. Quelle nuit! Tout ça! Donc, elle a besoin de repos. Donc déjà, tu vas te reposer. Toi, comment ça va? Il a faim et légèrement malade, en voie de guérison. Donc, tu vas prendre un médoc. Toi, t'as faim. Donc, tu vas aller... Tu vas manger. Tout le monde est en train de courir, là. Voilà, tu manges. Est-ce qu'il y a moyen de up ça? Une poêle plus efficace. Il nous permet de cuire de la nourriture plus efficacement et d'économiser des combustibles. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça prend pas mal de ressources, mais la nourriture, en vrai... Faudrait qu'elle devrait faire l'affaire en cas de coup dur. Sous médicaments. Et il a faim. Niveau nourriture, c'est chaud là, non? Ouais, plutôt chaud en vrai. Est-ce qu'on peut quand même faire un lit? On peut faire un lit. Est-ce qu'il y a besoin? Filtre. Un filtre fait maison à usage unique. Utile pour purifier l'eau de pluie ou distiller de l'alcool. Quoi ça? Salut Cadoir! Bienvenue au Cadoir, bienvenue à toi! Installe-toi confortablement, j'espère que tu vas bien. 15 sur 14, enfin 14 sur 15, il m'en manque un, il manque un, il manque un ça. Pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Zut! Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des matériaux encore ici ou pas? Non, je crois qu'on a tout. Deux lits suffisent si tu envoies à chaque fois quelqu'un en raid chaque nuit. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire exactement. C'est pour ça que je me suis dit que je vais pas faire un troisième lit. Ah! J'aime pas quand ça frappe. J'ai horreur quand ça frappe à la porte. C'est même dans la vraie vie, c'est un truc que j'aime pas du tout. On va aller voir. Bruno, va voir. Ok, donc là, il y a Katia qui dort. Toi, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même? Permet de créer des outils comme des pelles pour dégager des combes, des pieds de biche pour casser les portes. Des couteaux pour se défendre, ainsi de suite. Ah, ça peut être bien, ça. Hein. Distillateur. Avec un peu de patience, de l'eau et du sucre, il est possible de faire de l'alcool de mauvais goût. Mais assez fort. Nous pourrions ensuite les troquer contre des choses que nous avons besoin. Ah, je sais pas ce que c'est, ce qui est le mieux entre ça. Entre faire une radio... ou faire un atelier de métallurgie. Nous pourrions plus aisément faire face aux difficultés et en les identifiant à l'avance. Lorsqu'il n'y a rien aux informations, nous pouvons écouter de la musique pour égayer l'atmosphère. Let's go. Ça me donne envie. Je vais faire ça. Je vais faire ça et on va le mettre là.
Bon, je n'ai pas toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as à troquer, toi? Que voulez-vous? Alors, on a des bandages, du café, des médicaments à base de plantes, des médicaments, des aliments crus, herbes, légumes, tabac. On a des matières premières avec du sucre, de l'eau et tout. C'est quoi ça? Alcool de contrebande, ok. Filtre consommable, combustible, pardon. Et des balles. En vrai, je me tâtais à prendre des légumes et tout pour faire de la soupe, pour pouvoir nourrir les gens un peu, quoi. Il est possible de les manger crus. Mais le repas est un meilleur s'ils sont cuisinés avec des aliments crus. Et ils sont mangeables, mais seraient plus nourrissants après cuisson. Si j'en prends 3, qu'est-ce que tu veux, toi? Ça? Ça te plaît, ça? Ça, ça te plaît? Une balle et deux trucs de valeur? On peut prendre un autre truc ou pas? Un truc pas cher, t'as pas un truc... C'est genre... Un objet, c'est ça? Pas du tout. C'est vraiment en fonction de la valeur, hein. Ok, marché conclu. Au moins on a à manger. Non, la bise. Prends soin de toi, Franco. Je crois que c'est ça. Hein. Je dois retourner auprès de ma famille. Oui, je dois retourner auprès de famille. Ok. Donc toi, t'as pas trop faim. Toi, oui. Et Katia aussi. Elle a un peu faim, mais elle a besoin de repos. Du coup, tu fais trop haut. Vous écoutez Radio Pogromen. Nous avons le rêve de vous annoncer que notre collègue Jovan est décédé ce matin. Il a été abattu par un tireur d'élite tandis qu'il se rendait au travail. Il vous manquera. Putain, mais c'est trop bien. Le prochain jour devrait rester agréable et doux, temps idéal pour une balade dans le parc. Non ? On a un truc là. Écoutez machin, ok. On a un truc là, non? Malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège de Pogorem, la ville reste isolée. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville, sous prétexte qu'elle finirait entre les mains des rebelles. De la musique. Donc. Monsieur cuisinier, est-ce que tu peux faire un truc ou pas? Avec la viande là, est-ce qu'on peut faire un truc? Il nous faut des combustibles. On a 6, on a 3 viandes. Il nous faut 3 combustibles. Et on peut faire 3 soupes. Ça fait un peu musique de Sims. Hein. Ah, Katia. Katia, ça va mieux. Gérard, il a faim, là. On vient ici. Katia aussi, tu vas venir. Tout le monde va manger, sauf Bruno. Bruno, il a pas faim. Hein.
Ok, on a le temps. On a le temps. On peut améliorer ça ou pas? Non, on peut pas. Hein. Non, on peut pas. Chaises, je sais pas si les chaises c'est utile. Je sais pas trop. Allez, va manger. Toi aussi. Bruno, bah, va te poser, hein. Pour la chaise, hein, tranquille. En vrai, il nous faudrait des pelles et tout. Pour ouvrir ça, là, un pied de biche, pour ouvrir ce truc. Mon estomac gargouille. Vas-y, mange. Et ben, voilà, hein. On peut rien faire de plus, hein. Légèrement malade, sous médicament. Au moins il fait chaud, c'est vrai. Voilà. On est tous dans le salon là, tranquille. Terminé la journée, hein. J'ai rien de plus. Alors. Donc toi tu vas toujours rester. Tu vas rester là. Moi je pense qu'il y en a un qui va monter la garde. Toi, on va partir en collecte, t'as 12, t'es plutôt pas mal. Toi tu vas rester dormir et te reposer. Hein. Pavel, hein, il est fatigué, hein, bichatin. Le cottage abandonné, ok. Il reste encore des ressources. Est-ce que je vais chercher les ressources et je puise à mort ce qu'il y a là-bas? Parce que là, il n'y a plus de nourriture. Hein. Quelques... Ah, avant, c'était beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de nourriture? Ça veut dire qu'il reste de la nourriture encore? Quelques nourritures. Quantité énorme de nourriture. Ce supermarché est situé dans la zone restant sous contrôle militaire. Mais les gens essaient encore d'y collecter des provisions. Nous pouvons vous y attendre. Quoi? Nous pouvons nous attendre à rencontrer quelques collecteurs là-bas. Mais mieux vaut ne pas se mettre en travers de leur chemin. Un pied d'iche pourrait être utile en cas où une porte serait encore verrouillée. Là, s'il y a marqué beaucoup de nourriture, ça veut dire qu'il y a encore de la nourriture. Je vais tester. Parce que... Il y a un rat. Est-ce qu'on peut le choper, le rat? C'est une vraie question, rien. Ouais. S'il y a rien à manger, est-ce qu'on peut choper le rat, quoi? Bon, j'espère qu'il y a personne hein, qui arrive entre temps, parce que je cours comme un dératé. Hein. Ok, allez, on prend un max de trucs. On fera le tri quand on aura plus de place. Là, il y a du bruit, là. Ça, c'est le rat, ça. Mais il était là, la dernière fois. Oh, il a bougé. En vrai, il doit monter, descendre. Là, il y a un frigo. Le rat. Il est le rat. Ok. Ah ouais, ok. D'accord. Ok, il y a de la nourriture. Ah, ça c'est des herbes, c'est pour faire des médicaments, tout ça, tout ça. Je pense que je vais prendre le sucre. Ok. Ça. Ça. Ok. Ok, ok. Il y avait bien de la nourriture du coup. Du coup c'est bien le rat là. Et le rat on peut le choper ou pas? Oh le rat là, viens. Oh, il a pas l'air de vouloir venir avec nous. Le coquin. Zoom zoom zoom, ok.
Qu'est-ce qu'on avait de beau déjà ici? Ok. Encore des ferments, c'est quoi ça? Cigarette roulée. Ok, c'est les cigarettes de mauvaise qualité. Ça, c'est les médicaments à base de plantes. On va les prendre. À la place de ça. Et là, on avait des matériaux. Donc, bam, bam, bam. 3. 2. 3. Ça, on peut le prendre. Tac tac, ok. Du bois. On peut encore prendre du bois là. Oh. Ok. C'est pas mal. Pas mal. Ça, c'est le truc qui nous dit, ouais, il y a une arme, tout ça dans le jardin. Là, il y avait quoi là-dedans? Cigarette. Une cigarette faite avec du vrai tabac. Elle fait souvent office de devise en temps de guerre. Ok. Et si je la prenais, du coup? Il y a du café. Ah putain, c'est par deux, les... C'est par deux. On va laisser ça. On va prendre ça. Je vais prendre le café. C'est une marchandise de valeur, le café. Le sucre, on va pas tout utiliser maintenant. Bam. Voilà. Je regarde. Hein. Jette un oeil. Pour voir s'il n'y a pas un truc que j'aurais mal foutu. Ok, let's go. Allez. On s'en va. On a fait le plein. En vrai, dévaliser la première maison, je pense que ça peut être important. Pour se faire une base, peut-être, de ressources, du coup. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Plutôt. Jour 4. Cette nuit, j'ai fait une belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Ah, j'ai pas lu. Nous avons été attaqués. Ah, quoi? Nous avons été attaqués pendant la nuit. Katia a cherché des provisions, a ramené des choses intéressantes. Donc tout ça. Quelqu'un a essayé de nous voler. Ils ont dû avoir plus peur que nous. Donc ils n'ont réussi qu'à causer des dégâts mineurs. Dommage que nous n'avions pas d'armes. Bruno a été blessé, mais les agresseurs n'ont rien volé. Nous devrions davantage monter la garde. Bruno a été légèrement blessé. Ah, zut. Géraldine, elle a besoin de manger, elle a besoin de repos, déjà. Bruno a de légères blessures et a besoin de repos. Eh ben, repose-toi. Et Xavier, il a juste faim. Hop, va te reposer, Katia. Et toi, mon grand, on va voir si on peut faire des trucs. Donc, déjà, est-ce qu'on peut construire des machins? Moi, je serais chaud pour faire un truc comme ça. Atelier de métallurgie qui nous permettrait de pouvoir faire... faire des choses. Ça nous permettrait de pouvoir crafter 2-3 trucs. On va le mettre là, avec... Les ateliers, on va tous les mettre là, ça va être très bien. On peut réaménager les trucs ou pas? On peut pas réaménager les trucs. Pardon. Fais ça. Donc Katia et Bruno dorment. Pavel, il est en train de construire un atelier de métallurgie. Afin de potentiellement pouvoir se faire des outils. On va aller écouter la radio aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'atelier de métallurgie? On peut faire des outils de crochetage, ok. On peut faire une shovel. Une pelle.
Une petite pelle pour se frayer un chemin parmi les décombres. D'accord. Un pied de biche. Un pied de biche, ça peut être intéressant. Et un couteau. Un couteau, ça peut être très intéressant aussi. Ça peut être super intéressant. Donc on n'a pas assez de matériaux. Il faut qu'on ramène des ça. Des pièces d'armes et des composants. Donc on peut l'améliorer également. Pour créer d'autres outils tels que des haches, une lame de scie. Nous pouvons également réparer les objets, les armes à feu et les casques simples. Nous pouvons l'améliorer davantage pour fabriquer des munitions ou réparer des gilets pare-balles. Ok. Donc là, on peut faire quoi ? Obtenir de la nourriture, médicaments, échanger des marchandises. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? À part le truc de distillerie. Ce sera du composant. À créer du combustible. Ok, on va aller écouter la radio. Ah, il y a Franco. Il y a Franco qui est là. On va aller voir après. Les charniers ont été découverts, oh putain, dans la ville de Gravia. L'armée a sécurisé la zone et interdit l'accès aux journalistes jusqu'à la fin de l'enquête. Putain. Vous écoutez Radio Pogorède, nous avons le regret de vous annoncer que notre collègue Jovan est décédé. Ok, on l'a déjà eu. Et la musique classique. L'air est frais avec des nuages et des risques de pluie. Notre conseil pour les nuits froides, prenez un bon livre et une tasse de thé chaud et relaxez-vous dans les fauteuils près de la fenêtre. On va mettre de la musique classique. Hein. C'est vrai qu'il court vite. Hein. Ne me tournez pas le dos, je vous en prie. Ah putain, merde. C'est pas Franco. Au secours, mon frère est blessé. Vous êtes la première personne à ouvrir la porte, merci beaucoup. Vite, mon frère a été touché par un tireur d'élite. Je vous en prie, aidez-moi à le ramener à la maison où il va mourir. Il n'y a pas de temps à perdre. Putain, je sais pas quoi faire. Le ramener à la maison. C'est-à-dire chez lui. Pas ici, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Une seconde. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on l'aide. Oui. Fais attention à toi, hein, Pavel. Hein. Ok. Bon, eux, ils sont en train de dormir. On termine la journée. La nuit. Bon. De bonne humeur. Ah, Katia est de bonne humeur. Katia, tu vas partir à la collecte. Toi, t'as faim. Tu vas monter la garde. on va aller dans le cottage encore. On a encore des trucs à prendre. Let's go. Ça va devenir notre deuxième chez nous, hein, le cottage. Allez, let's go. On sait où il faut aller. Tac. Faut qu'on prenne des trucs de munitions et voilà, ça, enfin les trucs d'armes. Ça, on verra. Tout ça. Ça. Mission commando. Tout ça. Ok, donc là on est pas mal. S'il y a encore des trucs de munitions, enfin putain, des pièces d'armement, on prend. Par exemple là. Voilà. Ça on peut. On peut. Ça on n'a pas besoin. Enfin, pas besoin.
J'en ai pas pour le moment. Pas besoin pour le moment. Yeah. Ok. Ah, c'est expéditif, hein. C'est expéditif. Let's go. Allez, on rentre. Allez, caissière. Allez, petite foulée. Petite foulée endurante. Katia est de retour. Bon, Pavel, il est de retour aussi ? Allô ? S'il te plaît, Pavel, reviens. Jour 5. Cette nuit, j'ai fait de belles prises. Regardez ce que j'ai ramené. La nuit a été calme. Katia a recherché, mais hein, Pavel est revenu après avoir aidé un homme blessé. Ok. Cool, Pavel est revenu. Et il a besoin de repos et il a faim, bien sûr. Bruno, tu vas nous faire à manger, s'il te plaît. Tu vas nous faire à manger. Est-ce que tu peux nous faire à manger? Non, il nous faut de l'eau. Putain. Eh ben... va manger, toi. Vous allez tous venir ici, vous allez tous manger un bout, hein, ce que je dis. Ouais, toi t'as toujours faim, je comprends. Donc mon petit Pavel. Mon petit Pavel. Non, là. Tu vas nous faire un couteau. Bruno, t'as faim, tu vas manger. Ok. Tu vas nous faire un pied de biche. Katia, tu vas manger. Tu vas manger, après tu vas aller te reposer, Katia. Et Bruno aussi, en vrai. Pas très nourrissant, mais c'est déjà... c'est déjà ça à manger. Allez, va te reposer. Pavel, t'as besoin de repos, bien sûr. Et Bruno aussi, t'as besoin de repos, mais je suis désolé. On a que deux lits. Tu te reposeras cette nuit, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, du coup? Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette putain d'armoire? J'espère que c'est un truc cool. J'espère que c'est un truc intéressant. Ok, de l'eau, des livres, des pansements, c'est bien ça, enfin des bandages. Des médicaments, ils ont un goût horrible. Ils pourraient vous sauver la vie en cas de maladie. Ok, on a des aliments, on a des trucs intéressants. Donc, à de légères blessures. Est-ce qu'on garde les bandages pour plus tard? On va garder les bandages pour plus tard. En espérant que ça s'infecte pas. Ok, donc là en bas, il n'y a plus rien. Ça. En fait, là, dans toute la maison, il n'y a plus rien. C'est grand, en vrai. C'est très grand. Hein. Alors. L'air est frais avec du nuage. Hein. La musique. Vous écoutez Radio Machin, ok. Les charniers ont été découverts, d'accord. Ok. On peut pas faire de nourriture. Quoique si, maintenant on a de l'eau. En vrai, il faudrait faire un collecteur de pluie. Pour avoir de l'eau, un max. Il faudrait faire de l'eau de pluie. Est-ce qu'on a assez pour faire un collecteur d'eau de pluie? Collecteur d'eau de pluie, il nous faut des matériaux, ok, des composants. Il nous en manque 5. Bon, on va pas dépenser de ressources. On va garder... on va garder pour pouvoir faire un collecteur d'eau de pluie. Hein. Est-ce qu'on peut améliorer? Non. Là, il faut des composants aussi pour améliorer. Oui.
peux quand même faire à manger. Normalement, tu peux faire un truc. On en a deux sur un. Il nous faut juste... Il faut juste des consommables. On fait quelques consommables. Histoire de pouvoir... cuisiner. Et faire de la soupe. Ok, c'est juste une égratignure. De l'eau. Il nous en faut deux? Putain, il nous en faut deux. Merde. Bon, c'est pas grave. Ben, let's go, hein. T'as mis la journée, hein. A toujours faim, de bonne humeur. A de légères blessures, a besoin de repos. Donc toi, tu vas dodo. A toujours faim, tu vas monter la garde. Quoique non, il est plus malade. On va partir en collecte, toi. C'est la première fois qu'on va partir en collecte ensemble. Et toi, tu vas monter la garde, ma jolie Katia. On va retourner au cottage ou pas? Est-ce qu'il y avait encore des matériaux? Je crois qu'il y en a encore. On va y aller. On va y aller. Est-ce qu'on a besoin du pied de biche? Non. Oh putain, ils ont une durée de vie. Oh, fais chier. Ils ont une durée de vie, les objets. Y'a pas besoin d'armes. Y'a pas besoin d'armes au cottage. Allez. On part comme ça, on va bien voir. Là. Et dis-moi qu'il y a des matériaux, des composants que j'ai pas vus. On prend tout. De toute façon, là, on dévalise, hein, maintenant. Ok. Hop. Est-ce qu'on pourra tout prendre? Si on prend tout, c'est magnifique. Il y a des composants? Oui. Je crois qu'il en faut 5. On va voir ça. On peut même récupérer le jouet. Non, viens là. Viens là. C'est quelqu'un? Ah non, c'est le rat. Ok, putain. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait et qu'elle est toquée à la porte. C'est ce foutu rat là. Lui là. Il n'y a plus le jouet? Ok. On a tout pris. L'endroit là, je sais plus comment ça s'appelait. Pas le manoir, pas la villa, pas le... Le cottage. Le cottage, il est vide. Jour numéro 6. Allez, Pavle. J'ai trouvé des trucs vraiment chouettes, Camille. La nuit a été calme, parfait. Donc, un collecteur de pluie. S'il vous plaît. Un collecteur d'eau de pluie. J'ai bien besoin de repos. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas aller te reposer. Tu vas où? Où est-ce qu'elle va, Katia? Un collecteur... Putain, il nous en manque un. Il nous en manque un. Chier. Ok. Où est-ce qu'elle va, Katia? Elle va se poser sur la chaise, c'est ça? Les choses vont finir par s'arranger? Oui. J'espère. Bon. Ok, est-ce qu'on peut faire un distillateur? Eh mais il nous faut ça là. Il nous faut ça. De toute façon, il faut de l'eau. On n'a rien, on n'a pas d'eau.
Ah zut. Zut de zut. Euh, 7 sur 14. Putain, il nous faut pas mal de choses. Hein. Ok, vous savez quoi? On va terminer la journée. Et on va aller... Toi, t'as besoin de repos. Ah. De bonne humeur, t'as faim. Bon, tu sais quoi? On va prendre la miss. Vous, vous faites dodo. Pas toi. Tu vas monter la garde, toi, tu fais dodo. On va pas aller au cottage. Le cottage, c'est fini. Ville en ruine. On raconte que des gens vivent encore là-bas, luttant contre la difficulté. Ils doivent avoir des provisions de côté, comme des conserves de nourriture ou peut-être même des bandages et des médicaments. Mais ils refusent d'échanger. Si le désespoir nous gagne, nous pourrons essayer de les voler. Putain, quantité énorme de matériaux, c'est ce qu'il nous faut. Ok, école bombardée. L'école a été bombardée plusieurs fois. Malheureusement, la plupart des caves se sont écroulées. Il faudrait peut-être emmener une pelle et d'autres outils. Il paraît que des sans-abri ont trouvé refuge dans le bâtiment. Quantité énorme de matériaux. On va essayer d'aller à l'école bombardée. Prends juste le couteau, au cas où. Et le pied de biche. On y va un peu en repérage, on essaye de choper au moins des composants. Et on verra ce que ça donne. Vas-y. J'ai entendu dire qu'il y avait classe lorsque les bombardements ont commencé. Pauvre enfant. Oh, bichette, toi. Ok. Oh. Ah. On entend du bruit, hein. On entend des bruits de pages qui se tournent. Là, là, il y a du son, là. Ah, ça remonte. Ok. Ok, on y va tranquille. On y va tranquille. On regarde un peu autour de soi. C'est un rat qui... Avec des trucs sans intérêt. C'est le rat qui fait le bruit, qui fait du bruit là? Ça c'est le rat, il va me faire flipper hein. Il me fait flipper ce rat. C'est la première fois qu'on fouille un truc et il y a des trucs sans intérêt dedans. Ok, là il y a pas mal de débris. En vrai une pelle, putain. Putain, c'est le rat! Fais chier le rat. Ouais, c'est vrai qu'une pelle, c'est plus intéressant. Ça serait intéressant d'avoir une pelle quand même. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Allez, dis-moi, au moins un truc intéressant là. Ça, c'est des débris, ça. C'est des gravats, ça. Putain, c'est des gravats! Eh oui, on fait du bruit, hein. On fait du bruit. Elle a des compétences de marchandage. Donc ce serait peut-être elle. C'est intéressant d'envoyer elle si jamais il y a Franco qui vient nous faire du commerce. C'est tellement long quand on n'a pas de pelle. Enfin, j'espère que c'est bien moins long quand on a une pelle, surtout. C'est bien, bien loin. Donc Katia, à la fin, elle est de bonne humeur, mais elle a besoin de repos aussi. Donc à la fin, elle a besoin de repos. Bon. Essayer de faire en sorte d'arranger tout ça. Sachant qu'il nous faut absolument un collecteur d'eau, de pluie. Pour avoir de l'eau. J'espère que c'est utile. J'espère que c'est ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ok, c'est bon. Allez, dis-moi qu'il y a quelque chose là-dedans. Voilà, les gravats encore. Ok. C'est bien, c'est bien. Là. Il y a quoi là derrière?
Y'a personne. Tu vas m'ouvrir ça, avec le pied de biche là. Allez. On va me trouver des trucs utiles là-dedans. Yes. Ok, il y a pas mal de trucs. Ça, ça dégage. On va prendre ça. Ok, on est pas mal. Allez, let's go. On se casse. En vrai, c'est très mauvaise idée de courir jusqu'à la sortie comme ça, mais bon. Parfait, Katia. Bien joué. Bien joué, Katia. Elle a ramené pas mal de choses. Ramenez les matériaux à la maison. Allez, Katia, allez. Jour 7. Une semaine. Un Suman. Cette nuit, j'ai fait des belles prises. Regarde ce que j'ai remanié. Ok. Nuit calme. Parfait. Let's go. Non, Katia, tu vas te reposer. A très faim, elle est légèrement malade, a de légères blessures, triste, a besoin de repos. Bon. Alors, va manger déjà. A très faim. Collecteur de pluie. Fabriquer. Comment... Où est-ce que ça se met? Est-ce qu'il y a un endroit? On peut le mettre ou c'est à peu près, on s'en fout. On va le mettre là. Ah, on va dire que c'est bien. C'est difficile de travailler sans se reposer, c'est vrai. Donc tu sais quoi? On a besoin de beaucoup de repos. Pas te reposer, Katia. Allez, let's go. Bruno, t'as mangé? Toujours très fin. Mange des légumes. Vas-y. Voilà, il a faim maintenant. Il a besoin de repos. Allez, va te reposer. Comment ça se passe ici? Composants nécessaires. Filtre. Ah. Si vous avez entendu la sonnerie. De l'eau relativement propre. J'en aurais besoin pour préparer un bon repas ou pour faire de l'alcool. D'accord, mais il faut faire des filtres du coup. Ça coûte des ressources du coup. Je pensais que c'était juste on le mettait et hop, on avait de l'eau quoi. Ou des composants. Genre si je fais ça, ça va me donner 5 d'eau, c'est ça? Je vais lui faire la bouffe, un cuistot. Eh mais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau, je peux pas faire de bouffe. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé faire de la bouffe. Je t'avoue. C'est pour ça qu'on fait un collecteur d'eau. En priorité. Pour pouvoir avoir de l'eau quoi. Et moi je pensais que juste on mettait le truc d'eau et let's go quoi. Non, bah, continue. C'est juste qu'on mettait le truc d'eau et let's go, ça faisait de l'eau, ça générait de l'eau tous les jours. Mais non, il faut faire des filtres avec 5 de composants. Donc en gros, tu convertis 5 de composants en 1 d'eau. C'est pas fou. Hein. Si c'est ça, c'est pas fou. Après bon. C'est de l'optimisation, hein. On essaye. On découvre, on découvre. Ok, donc let's go. Voilà. On peut pas en faire plusieurs. Fabriquer.
On va voir comment ça marche. Donc là, on peut en fabriquer un. Ok, d'accord. Filtre prend du temps. Filtrer prend du temps. Il faut être patient. Ok, d'accord. Ok, ça marche. C'est pas ce que je pensais. C'est juste, tu mets un filtre et puis après, ça va le générer. Et là, c'est dans 4, c'est ça? Faut que ça fasse 4 fois le tour. J'imagine. Donc il a très frein et très frein. Il a très faim, notre petit Pavle. Mais, est-ce qu'on peut faire des trucs? Est-ce qu'on peut faire une pelle? Je pense pas, parce que du coup, j'ai pris tous mes composants. C'est ça. J'ai pris tous mes composants comme un gros bête. Je pensais que ça convertissait les composants en eau. C'est pas grave. On va trouver. On va trouver ce qu'il nous faut. On n'a rien à faire ici. On va écouter la radio. Et quelle heure? 21h48. Okay. Donc, la musique. Comme si la guerre ne suffisait pas. La criminalité augmente dans la ville de Pogoren. Des rapports font état d'attaques armées et de cambriolages. Oh putain. Faites attention aux groupes de pilleurs qui errent dans la ville. Mieux vaut fermer les portes à clé et ne pas sortir. Les refrains, bon, vous avez compris. Cette nuit, il y aura une attaque. Hein. On peut fermer la clé? On peut pas fermer la clé. C'est quoi là? C'est un rideau? Oui, c'est un rideau. Ok. D'accord que là, y'a rien. Hein. Je vais refaire un tour ici, mais... Et il peut remonter par là. Ok, y'a rien. Ferme. Pas confiance. Ok. Tudam. Du coup, si je passe la journée, est-ce que ça va faire avancer ça plus vite? Ou il faut que j'attende? Ah! Combien? 4. Ça génère 4 d'eau? Un filtre, ça génère 4 d'eau, c'est ça? Là. Je crois que c'est ça, hein. À faire une soupe. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit chaud. Ok. Ça tire à la fin. Ça. 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 C'est mieux ça. Ok. Il a très faim, Pavel. On va faire manger Pavel en priorité. Ok, ça en fait 2. Ok. Ok, donc quand on a des légumes, enfin des légumes en plus de la viande, on fait 2 de soupe. Okay. Et là, il a toujours faim. Tiens, mange comme ça. C'est toi qui vas aller, aller à la récolte aujourd'hui. Ne perdons pas. Espoir, peut-être. Tous les deux, vous allez monter la garde. Ré, vous avez dormi toute la journée, vous allez monter la garde. Parce que...
Parce que avec ce qu'ils ont annoncé dans le... Oh putain, il nous faut une pelle. Bon, on va voir. Avec ce qu'ils ont annoncé dans le... Hein, à la radio... Ville en ruine, donc là, il y a des gens. Quantité énorme de matériaux. Nouveau. Croisement des tireurs d'élite. Oula. Supermarché. Maison calme. Beaucoup de médicaments, nourriture et pièces. Ah, petit immeuble. Ce vieil immeuble appartient à un couple de personnes âgées et à leur fils. Ils sont toujours là et repoussent les pilleurs tant bien que mal. Ils ont probablement des provisions, comme de la nourriture et des médicaments. Mais ils refusent de les partager avec nous. Nous pouvons essayer de les voler ou de les prendre par la force. Des outils de crochetage pourraient être utiles. On va laisser tranquille pour le moment. On va aller là-bas. On va retourner. Du coup, l'arme, on va la laisser. Je vais laisser l'arme. Pour nos amis. Note, garde en force. Ah, c'est parce qu'on a mis deux. On a mis deux personnes en. À faire le guet là, à la garde. Donc là, il faut déblayer là-haut. Là-haut, on avait tout pris, je crois. Du coup, ça veut dire qu'il faut déblayer les trucs là, les deux trucs. Oh, c'est un enfer. Attendez, on court, vous savez quoi. Là. On avait laissé quoi ici? Ok, bon, je comprends. On peut descendre là? Ok, on peut. Coucou Manilo, ça va? On peut descendre ici aussi, peut-être. Qu'y a-t-il là? On peut d'ici. Ouf, tout ça. Ok. On prend ça pour le moment. Est-ce que je m'embête à enlever ça? Non. Je vais venir là. On va essayer de repérer un petit peu ce qu'il y a par ici. Ça pète. Ok, on peut pas y aller. Ça marche. Bon bah, let's go. Comment on fait pour avoir accès en dessous? Ah mais là, putain, je suis con. Non, viens. Pour aller vers la grille sans lame de scie. Ok, il nous faut une lame de scie pour pouvoir avoir accès à en dessous. Enfin, à la ici là. Je sens qu'il y a deux trucs et. Moi, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Donc là, ici, potentiellement, il y a des sans-abri dans cet immeuble. Dans cette école. Là, il y a du son. Il y a un truc. On va descendre tout doucement. On va aller regarder. Allô? Ok. Rien dans cette pièce. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour se cacher, c'est ça? Peut-être. Ils ont encore pris ma nourriture. Merde. Ouais, on peut toujours compter sur les amis. Ah putain, elle m'a fait peur Lilou, elle a sauté sur sa litière, elle m'a fait flipper. Ok, on peut se cacher. C'est bon ça. Ok, c'est un gars qui s'est fait un peu enturlipiné par ses amis, j'ai l'impression. Enturlupiné, entourloupé.
Un tour de fait plutôt. On va le laisser tranquille là, monsieur. On va partir. On va essayer de pas faire trop de bruit jusqu'à là. On va se mettre à courir par là. Okay, let's go. Allez, Pavel. Le bon coureur. Cours, Forest. C'est un bon coureur. Hein. Il court bien, le bougre. Jour 8. Nous avons été pillés. Ah, quelqu'un est venu ici pendant la nuit et s'est emparé de nos affaires par la force. Bruno a une blessure profonde. Il aurait bien besoin de bandages. Ok, ça sera fait. Quelqu'un a essayé de nous voler. Les assaillants étaient très agressifs, donc ils se sont battus et ont fait des dégâts. Nous avions des armes, mais pas assez pour tout le monde. Katia et Bruno ont subi des blessures et les agresseurs ont pris quelques trucs. Nous devrions davantage monter la garde. Bah, j'ai mis tout le monde. Hein. J'ai mis tout le monde sur le coup. Donc Bruno, t'es blessé. Bruno, tu vas aller te bander. Mes blessures me font un mal de chien. J'ai besoin de me mettre au lit. Alors déjà, va te soigner. Après, tu vas te mettre au lit. Toi, t'as très faim. Ok. Il a faim. Il est triste. Il a besoin de repos, Pablo. Ils viennent avec plus de monde, nous sommes cuits, c'est vrai. Putain, ils ont pris les filtres et tout. Il faut pas penser à la blessure de Bruno, c'est vrai. Elle a très faim, elle a des blessures, elle est triste, elle a besoin de repos. Bon. Tac. Du coup, ils ont pris notre roue, j'imagine. Non, je crois pas. Bruno. Ok, il a des bandages. Tu vas te reposer. Il peut courir ? Il peut. Katia, elle a très faim. Katia, elle a besoin de repos aussi. Hein. Ah oui. Pavel va nous mettre le filtre. Ok. On a pas mal de matériaux et tout. Est-ce qu'on peut augmenter quelque chose? Faut penser à la blessure de Bruno, c'est fait. Ok, il nous manque quoi? Il nous manque ça. On a que 13. C'est pour faire des haches, des lames de scie et tout. Une shovel, on peut faire? Oui. Fais une pelle. Ça va être plus pratique. Ça va être plus pratique pour la suite. Prends ton temps, Pavel. Prends ton temps. Fais une belle pelle. Il est joli le jeu en vrai, ça va. Hein. En qualité faible, hein. Il est pas trop mal. Ok, est-ce qu'on peut augmenter ça? Je pense pas. Hein. 14 sur 6. Enfin, il nous en faut 14, on a 6. Ok. Tac, tac, tac. Là. La radio. Un coup de radio et après on passe la journée. Hein. Les gars ne suffisaient pas, les criminels augmentaient. Musique. Ok.
café devient de plus en plus rare dans les villes assiégées. Le prix du café au marché noir devrait augmenter. Ok, on a du café. Ils nous ont volé notre café. Putain, les enfoirés. Ok, let's go. Termine la journée. La nuit. A très faim, triste. Besoin de repos. Fais dodo. Monte la garde, hein, mais... Ouais. École bombardée. Tu prends la chaude. Et le pied de biche. C'est parti. Il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la bouffe. Ok, c'est bien plus rapide. C'est bien plus facile avec ma pelle. Ouais. C'est vrai que c'est bien plus rapide quand même. La pelle est un bon investissement, j'avoue. Du coup là en fait ça nous permet de... Ça nous permet d'avoir ce raccourci en fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler avec le gars en bas? C'est pas parce qu'on est dans un truc en temps de guerre qu'on on peut pas parler. On peut pas avoir un peu de diplomatie quand même. Non. Là, il y a des trucs ici. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye? Il fait dodo? Dodo? Non mais la porte. Putain, il y a un autre gars qui fait dodo là. Ouvre. Non, non, attends, attends, attends. Putain, mais je peux pas faire. Là, là. Arrête de... Putain, mais elle fait un boucan monstre! Quelqu'un vient de tirer, comment ça? Bonjour! Il me voit pas? Il me voit pas ou il s'en fout? Peut-être qu'il s'en fout? De l'eau. Oh. Ah, je sais pas si c'est normal qu'il m'ait pas vu. J'ai aucune idée. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bonjour. Il s'agit d'un message destiné à quelqu'un. J'ai préparé une planque derrière le réfrigérateur, comme tu le voulais. J'y ai déjà mis des choses. Vois si ça te va. Derrière le réfrigérateur.
Vous me voyez? On peut parler ou pas? Et vous, ne touchez pas à notre boîte. D'accord. Ça marche, pas de soucis. Il est où le réfrigérateur, c'est ça? Pas ça, un réfrigérateur, là. Il nous faut ça. Bonjour. Bon, ils ont pas l'air d'être méchants. Il y a pas mal de ressources là. Bonjour. Ils sont pas méchants. On peut. Ils ont pas l'air méchants. Le sac, ok, on est bon. Let's go. Et quelle heure? Ça va être l'heure? Et oui, c'est l'heure. Ça va être l'heure de se laisser, les amis. On rentre à la maison, on voit s'il s'est passé quelque chose, et puis après, on arrête là. Katia est de retour. Jour 9. Ah, ça me gratte le nez. J'ai des bandages, occupons-nous de cette blessure. Nuit calme. Triste fin, besoin de repos. Putain, on n'a pas de bouffe. On a tout sauf de la bouffe. En déprime, bichette. C'est quoi? Va écouter de la musique là. Voilà. Voilà. Ok. Les amis. Sympa, hein? Très sympa le jeu. Alors attendez, je le quitte. Histoire d'être tout à vous. Hop là, on va mettre les petits dinos, bien évidemment. Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous quitter, certes, mais pour mieux se retrouver, à partir de demain, 20h, pour le travail du bois et faire cette magnifique map de Tamriel en format A4, en cadre, pour là-bas derrière. Donc hâte de faire ça, hâte de faire ce petit projet. Sympa, This War of Mine, très sympa, j'ai bien aimé. Alors j'avais déjà joué un petit peu, là je m'y suis un peu plus concentré. J'ai bien aimé, hâte de voir ce que ça va donner sur la suite, voir un petit peu comment l'aventure va changer, comment l'aventure va évoluer, pardon. Voilà quoi, voir un petit peu ce que ça va donner. Merci d'avoir été présente et présent. Ça mérite un petit générique. Là, ce soir, on a eu un petit sub et tout. Streamlabs Dashboard. Ta-na-na-na, na-da-di-da, di-du-du-di-dui. Streamlabs. Hop là. Où est mon petit dashboard? Ok, mesdames et messieurs, bonne soirée à toi Kadohar, merci beaucoup, merci pour les petits conseils que tu nous as donnés, merci beaucoup, j'ai bien aimé le jeu, j'ai bien aimé votre présence aussi, merci d'avoir été présenté présent, merci encore à Lacertus pour ses innombrables beats qu'il nous a offert ce soir, merci également à son... un abonnement
son abonnement de niveau 1, qui l'amène à 9 mois d'abonnement consécutif, et son œuf de dinosaure a éclos, qui lui a permis d'acquérir un magnifique petit Spinosaurus, en a tiré au D20. Donc merci énormément encore à toi, Lacertus. Merci aussi à Bébé Pixel d'avoir renouvelé son abonnement à 8 mois, qui a claqué son Prime sur la chaîne Akirasham. Le mois prochain, Bébé Pixel, le petit dino aussi. Eh oui, le petit dino. Merci énormément à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez chaque jour la meilleure version de vous-même. Vous méritez des tartines d'amour dans votre gueule. À très bientôt dans la vie. C'était Aki. Des bisous. On la bise. Oui. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.